Parti. Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle découverte de jeux indépendants. Aujourd'hui, on va jouer à Phenotopia ou Phenotopia Awakening, un jeu qui est sorti le 21 janvier 2021 sur Steam et sur Switch, plutôt discret dans sa sortie, genre platformer action avec une petite gamine qui va se battre contre des monstres et sortir comme ça, vivre une grande aventure dans la pampa. Ce qu'on sait du jeu, c'est qu'a priori il est extrêmement long. How Long to Beat le donne à plus de 35 heures de gameplay en tout et pour tout. Nous, on va en faire vraiment la découverte des premiers temps. C'est un jeu qui est commercialisé à 18€. Et je vous propose qu'on se lance sans plus attendre. Moi, j'avais juste fait une petite partie de 3 minutes, comme vous pouvez le voir, pour voir si le jeu fonctionnait. Et maintenant, on y va. Alors, mon niveau de jeu... Moi, je dis celui-ci. On est PGM ou rien. Donc, la version française est confirmée, c'est déjà bien. Aucun attribut de combat ne sera activé. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire si je choisis... Si je choisis 4, par exemple, qu'est-ce que ça va m'activer comme attribut de combat? Chaque objet de soin peut être utilisé directement depuis le menu. Ah, vous voulez dire que ça peut devenir un jeu très compliqué? Eh bien, nous serons niveau 4, comme ça. Ah bah c'est bien, on peut le modifier au fur et à mesure. Pas de problème. L'histoire de Phenotopia commence par une grande guerre. Une guerre d'une brutalité et d'une destruction sans précédent. Dans leur sempiternelle rengaine de mort pour se détruire les uns les autres, les humains avaient jadis conçu toutes sortes d'armes, des missiles pouvant détruire des villes entières, des maladies dévorant toute vie et des bioformes contre nature nées d'esprits malfaisants. La Terre avait été fracassée, défigurée. Alors que le glas s'apprêtait à sonner sur nos ancêtres, une lueur d'espoir subsistait. L'humanité avait achevé sa création ultime. Mais qu'est-ce que c'est ? Ils l'appelèrent le phénix. En un tournemain, car oui, tournemain, ça s'écrit comme ça, le phénix mit fin à la guerre grâce à son pouvoir infini. Cependant, la Terre ne pouvait plus accueillir la vie. Le dernier conseil se réunit alors pour décider du destin de l'humanité. Ils décidèrent de creuser profondément dans les sous-sols et d'y construire de titanesques abris de métal. L'humanité hiberna jusqu'à ce que la Terre soit régénérée. Il y a des petites coquilles dans la VF, mais pour l'instant, elle est plutôt de qualité. Depuis cette grande guerre, des siècles se sont écoulés. Le phénix est devenu mythe, puis le mythe a fait place à la légende. L'humanité endormie s'éveilla peu à peu sur une nouvelle terre et reconstruisit une nouvelle civilisation sur les cendres de la précédente. De nouveaux pays naquirent et avec eux, de nouvelles bannières. Un nouveau monde était né. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de cette grandiose saga se dévoile. Ok, c'est déjà trop mignon. Une photo de famille prise l'année dernière. Je ressemble vraiment à ça. Un kimono. Pas besoin pour l'instant. Oh là, y a déjà beaucoup de gens avec qui discuter. Je dessine ce que je préfère par-dessus tout du monde entier. C'est un dessin de... Mémé ? Eh non, Andouille, c'est un muffin à la citrouille. Ils sont si sucrés et savoureux, je pourrais en manger 100. Mémé dit que je ne devrais pas jouer dehors à cause de mon rhume. Ça ne me dérange pas, je préfère lire un bon livre. C'est vrai que le bruitage de dialogue est bien réussi, hein. Le coup de l'onomatopée, c'est toujours un peu risqué. Pour l'instant, c'est correctement fait, je trouve. Alors ça, c'est ma piole. Ah, c'est Mémé. Ah, enfin, tu es réveillé. Gale. Donc Gale, c'est le personnage. C'est presque l'heure du dîner. Sois gentil, ma chérie, et va chercher les enfants, d'accord? Où sont-ils? On dirait les bruitages de Camille, mais on réussit. C'est agréable. L'heure de manger.
Et m'a dit que je ne devrais pas. Ah bah non. Je pensais que c'était. Je pensais que c'était ça qu'on me demandait de faire. Un soupçon de ci, un brin de ça. Salut Gail, je suis de service à la cuisine ce soir. Prépare tes papilles pour mon ragoût spécial de crapaud au piment. J'ai entendu dire qu'Alex est parti avec les enfants et qu'il serait allé à la pêche aux étoiles en dehors du village. N'allez pas à croire que j'en vienne à envier un petit enfant. Allez, ça veut dire qu'il faut aller chercher Alex. Alors moi j'ai un petit peu gagné du temps puisque j'avais lancé le jeu, donc je sais que si j'essaie de sortir, on me dira que je peux pas partir sans avoir une arme, car ainsi vont les jeux vidéo. La batte de bois, ça sert à jouer au baseball et à gagner des bagarres. La VF est très bien. Après c'est Start puis RB pour accéder au menu. À gagner des bagarres, c'est très rigolo. Alors, il y a une barre d'endurance en haut, je sais pas si vous l'avez vu. On ne peut pas taper indéfiniment. Oh zut, il y a une pièce qui est restée bloquée là-bas. Tiens, tiens, ne serait-ce pas Gail ? Comment vas-tu ? Les affaires urgentes m'ont obligé à quitter ma maison à toute berzingue. J'en profite pour retrouver mes racines. Entre nous, je suis sur la trace d'un truc complètement dément, pour ne pas dire détonnant. Je t'écoute. Je suppose qu'après t'avoir mis l'eau à la bouche de la sorte, je suis obligé de te le dire maintenant. Et il ne me dira rien. Fumier. Niveau de zoom, ça c'est assez curieux. Enfin, c'est pas tous les jours quoi. Mais c'est extrêmement chou quand même, hein. Quoi, c'est une bagarre ? Oh ! La musique ! Et ce sont effectivement des rencontres à la Zelda 2. Alors ça clairement, hein, on se retrouve dans les démons du midi pour le morceau de la BO qu'on vient d'entendre. Partie sauvegardée dans la forêt de Doki. Ouf, c'est bon, je peux pas aller plus loin. Félix, fais au moins semblant d'essayer. Pourquoi est-ce que je dois toujours faire la nounou ? Mais qu'est-ce qui se passe les enfants ? Bonjour Gail, c'est déjà l'heure du dîner ? Tant que tu reviennes avec les autres. Allons-y tous ensemble. Ah, il y a un petit souci au niveau de... D'accord. J'agresserai les grenouilles que si c'est nécessaire. Bon, là c'est nécessaire. Oh ! Alors, j'y arrive pas ? Bon, c'est pas grave. Oh, il y a de l'eau droit devant. Je suis le pire nageur du village. Enfin, le deuxième pire après toi, je suppose. Ah bah, sympa. J'imagine que ça veut dire que je ne sais pas nager. Bah, alors, je sais très bien nager.
Pousse-toi. Oh, trop mignon. Il se met... il y a plein de petites animes qui sont très 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 choupies. Ah non. Si le dernier coup est assez léger, il y a une chance accrue pour qu'un fruit à bog recèle une baie. J'ai vu mon frère y parvenir. Il en a fait toute une science. Les fruits à bog épineuses qui poussent juste devant rendent le prochain saut trop risqué. Je parie que tu pourrais les dégommer en leur balançant quelque chose dessus. Tu vois quelque chose de balançable dans le coin ? Balançable. Je crois que je vois. Ok, très bien. Ouais, fini de rire, j'ai vu qu'il y avait des petites saccades de scrolling à l'occasion, ouais. J'avoue que je me l'explique pas, c'est peut-être lié à l'enregistrement, mais... Ah, mais les branches restent pas indéfiniment! Oh. C'est comme Dark Souls! Je veux voir un feu de camp. On peut irriguer des guimauves. D'accord, mais on va essayer de faire du feu, pas de problème. Et là, il est fatigué, alors on fait une pause. Regarde, il y a du petit bois pour faire un feu de camp ici. Si tu frappes un silex devant un bois d'allumage, tu peux allumer un feu de camp. Il doit bien avoir un silex dans les parages. Genre là. Et toc. De rien. Un feu réconfortant crépite devant vos yeux. La nourriture crue peut être cuite ici si elle est équipée. D'accord. Très bien. La musique est tout étouffée derrière à partir du moment où on est dans une zone de feu de camp. C'est curieux. Comme dans... Non. Passage secret. Oh, j'y ai cru. Ah, ouais, c'était une courte cinématique. Très courte. Gail, c'est chouette que tu sois venu nous rejoindre. Il n'y a plus que nous, les autres avaient les miquettes. Aujourd'hui, à 1500 heures, la coopération scientifique a fait mention d'une météorite écrasée en pleine forêt de Doki. 1500 heures ? C'est 15 heures, je dirais plutôt. 15 heures ? Coopération scientifique ? Quoi ? Comme nous sommes les premiers arrivés sur les lieux, nous pouvons considérer que cette météorite nous revient de droit. Aide-moi à mener cette expédition à bien, et je partagerai les profits avec toi plutôt généreusement. Mais elle est coincée dans les ruines du temple à Nuri. Tu as dit que ça allait être rapide et facile. C'est juste un léger contretemps. J'ai entendu dire que le temple à Nuri était hanté. Ah, superstition. Mes amis, voyez les choses en grand. C'est bien plus qu'un simple rocher luisant. Ça signifie de nouveaux jouets pour tout le monde, de la meilleure nourriture. Ça veut dire plus de livres. Peut-être même que je pourrais avoir ma propre chambre. Ça serait pas du luxe, surtout vu comme tu ronfles. Oh, j'aurais pas aimé. Et Gail ? Tu auras un nouveau poney en peluche. Bon, on pourrait passer la journée là à débattre pour savoir si on y va ou pas. Ou alors on arrête de jacasser et on se met au charbon. Qui est avec moi? Très bien la VF, très bien. J'en suis. D'accord.
Il semblerait que nous soyons majoritaires. Mais comment va-t-on entrer? Clairement, il faut juste actionner un interrupteur ou un truc du genre. Il est mauvais, il est mauvais! Bon, on va pas dire que ce soit un succès. T'inquiète, moi je sais. Tirer des cailloux sur des cibles à distance. Mais c'est start pour oui, oui, yada, yada, ça va. Hein. Alors, mais j'ai pas écouté quand il m'a dit évidemment. Non! Ah oui, effectivement, elle sait pas trop nager. C'est embêtant. Attends. J'ai remarqué que tu n'utilisais pas beaucoup ton anneau d'équipement. L'anneau d'équipement est indispensable pour tout aventurier qui se respecte. Ça te permet d'accéder plus facilement à tes objets et à tes outils. Dans le menu objet, déplace le curseur sur n'importe quel objet, ensuite oriente le stick droit dans n'importe quelle direction. Ah, d'accord. Voyons un peu. Donc là, je vais dans le menu objet. Non, c'était pas comme ça. J'ai pas écouté jusqu'au bout, évidemment. Bon, merde. Il y a un emplacement vide sur cette statue. Ah, mais Tidikappa, je fais ça à partir du moment où je suis en mode détente sur un jeu. Il m'arrive assez régulièrement de faire ça avec les tutos, ce qui est un problème. C'est évidemment un problème. La description eShop pour les musiques est magique. Plus de 60 musiques originales, entre piano moelleux et orchestre, en passant par du synthé métal furieux et des cornemuses. J'ai l'impression que ça sent le projet de passion d'un très petit studio, ça, quand même. Et hop! Stylé! Maintenant, il nous faudra 3 perles Anuri. Du silex. Une sauvegarde. On va prendre le silex. C'est là que je me ferai à manger si j'ai besoin. Pour l'instant, ça va. Ah bah évidemment. C'est vous qu'on attendait. Fasse gaffe vraiment avec l'endurance parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le bruit de pêche, il est incroyable. Oula. Très dommage. Musique aussi, c'est joli ça. Ah merde. Je suis presque mort en fait. Ah, et quand même. Faut pas se précipiter, quoi. Thank you.
Je connais pas encore exactement la structure du jeu, je dois dire. Ah, on a récupéré une perle. Je sais pas ce qui se passe quand je meurs, je sais pas ce qui se passe pour tout ça, mais a priori on partirait sur... Pour la structure, est-ce qu'il y a une composante Metroid ou Metroidvania ? Ça encore, je ne sais pas non plus. Pour l'instant, c'est de l'action-aventure. Je vais voir un petit peu en termes de structure à quoi on est censé s'attendre. Déjà, je vais redescendre. N'importe quoi. C'était ici. Donc il faudrait que j'aille chercher un truc. Ok, pour ici. Très bien. On va juste regarder si j'ai de quoi me soigner quand même. Pas trop, hein. Ah oui, effectivement, le pot métallique, c'est ce qui me servira plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça, alors, du coup ? Oui. Ah, alors. Faut une belle cloche. Mais oui, mais bien sûr. Vous obtenez herbe de Doki. Qu'est-ce que c'est ? Le petit piège. Ça, c'est vraiment pour pouvoir me faire de la cuisine tout à l'heure. Vous le savez, c'est pas ce que je préfère dans les jeux, mais c'est pas grave. On va pas essayer si le jeu ne me permet pas de faire de run vegan d'enfer. J'aurai l'air faim hein, quand je vais jouer à Monster Hunter à la fin du mois. Bon, du mois prochain, pardon. Ça va Ringabel 59, j'espère que toi aussi ça va bien. Ah ! Évidemment. Alors. Tiens, il y en a un ici aussi. Allez, on y va. Ah non, on ne peut pas passer. Ah ah mm-hmm. C'est pas si simple. Cher Gotos. Oui, c'est vrai que là, il y a du mur ébréché. Là. Là, ça se fait à la bombe. Pour l'instant, il y a une approche effectivement très donjon, avec des donjons quand même plutôt massifs et sans map jusqu'à preuve du contraire. Bon, là, j'imagine qu'il y en aura tout à l'heure. Il va falloir la trouver tout simplement. Ah. J'ai cuisiné une ragouignesse et ça me fera moins 5 HP si je la mange. Ah bah c'est royal. On mangera donc une herbe de Doki à la place. J'ai pas compris le QTE et du coup... Mais ça m'a pas du tout soigné cette affaire. Attends une seconde. Et si je sauvegarde là ? Merci beaucoup Tensuji pour ton resub. On est en train de jouer à Phenotopia. Alors c'est pas si simple. Oula. L'endurance. L'animation de la cuisine ratée, elle était incroyable, ouais. Elle était vraiment incroyable.
Qu'est-ce que j'ai pas lu sur Contact? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, le bonsoir, pardon. Bonsoir. Ah, mais il y a une charge. Ok, d'accord. Il y a une charge sur les coups. Et du coup... Là, il va falloir amener... Ah, donc là, il faut lancer un truc. Alors, voyons déjà si on peut lancer quelque chose. Ah oui, d'accord, je l'ai. Allez, hop! Ça, c'est fait. Ensuite. J'imagine que je peux pas ramasser ces fruits-là. Aïe, 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 aïe. Ah, si, 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 il y a un truc à faire avec ça. Ah, voilà. Je crève, on crève à une vitesse dans le jeu, quand même. D'accord, moi je vais bien passer par là, ça me dérange pas. Alors, deux perles à nuire, il m'en faut trois. Je dois pouvoir manger ça depuis. Une plante légèrement curative au goût mentholé, très largement utilisée dans les ragoûts, les herbes d'oki peuvent aussi être mangées crues. Ah oui, d'accord, voilà. Très bien. Pour l'instant, je suis plutôt conquis par ce petit jeu et par sa manière de présenter les choses. Je dois dire. Il a quelque chose. Tout de suite ça. Ah, ah, une seconde. Si, si, si. Hop là. J'ai eu droit à un petit rebond parce que j'avais pied. Mais non! Mais quel grand con! Quelle idée! Et si, j'espère que je me suis bien softlock, c'est tout ce que je mérite. J'ai raison de croire qu'en tirant dessus, je vais le pousser. Yes! Alors on va attendre, il faut récupérer un peu d'endurance. Allez, dégage. La prochaine, c'est la bonne. J'aurais mieux fait de le poser ailleurs. Voilà! Vous obtenez une énergème. Votre énergie maximum est augmentée. Mais quel plaisir! Plus d'endurance. Ce qui m'énerve le plus déjà sur ce jeu là, c'est de savoir qu'il dure 35 heures. Parce que sinon ça mériterait vraiment de prendre le temps quoi. Ok, d'accord. Non mais ça va, j'ai capté. Alors c'est le jeu hein, qui me demande de faire ça. Hein. Je rappelle que moi les poulets, les grenouilles sont mes amis. C'est vraiment le truc qui me bloque, un petit 15-20 heures serait parfait. 17 streams de 2 heures, ouais, c'est surtout ça quoi.
C'est surtout quand est-ce que tu te mets à faire ça. Mais ouais, non, a priori le jeu est très long. Ouais. Tensuji, je suis sur ma route pour le devenir. C'est pas évident, ça prend. Je respecte mon timing, mais c'est le plan. Est-ce que j'ai raison de croire qu'on peut faire ça? Ouais, mais j'ai déjà de l'avance, hein, mais juste de temps en temps, il y a encore des petits ratés. Une chose après l'autre. Baby steps. Hop! Très bien. Et de là... J'imagine que ça, je peux pas... Ah bah si! Bien sûr que si! Mais bien sûr que si, Gotose! Oh, quelle puissance! Elle a du biscotto, hein, quand même. Ah bah, super. Tout ça pour ramasser quoi? Parce que là, du coup, je me suis... Ah, quand même une pierre de lune, un truc un peu sérieux, quoi. Salut Popeye, bonjour à toutes et à tous. Si vous arrivez en cours de route, on joue à Phenotopia Awakening, qui est un jeu qui est disponible depuis le 21 janvier dernier sur l'eShop ainsi que sur Steam. Ça coûte 18€. A priori, c'est... Ouh, joli le petit plage. A priori, c'est un... Donc il y a du Zelda, il y a clairement du Monster... J'allais dire du Monster Hunter, du Monster World. Et le jeu a un petit peu resté dans son coin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent son existence. Alors je me suis dit, pourquoi pas ne en faire la découverte. Bah écoute, Naiden, ici nous on en fait une. On fait une bolo sans viande qui est d'une alors c'est un hors sujet complet, hein, mais qui est d'une qualité incroyable. Enfin, on. Marie, elle gère. Il gère le truc à bloc, quoi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et voilà. Maintenir LT, puis presser A, courir, bondir. Lorsque vous atterrissez après un bond, relâchez, puis presser LT pour recommencer à courir. Mais voilà, écoutez, on va directement passer, si vous le voulez bien, au reste du jeu, parce que ici, la PGMRI est déjà dans la place. Oui, un petit peu de Cave Story aussi, c'est vrai. Alors, où aller déjà? Non, ici on est déjà venu. Vas-y, je te filerai ça, Naiden, avec plaisir. Alors, on avait dit quoi, du coup? On avait dit, il en faut 3. Ils sont basés ou ils sont pas basés, là. Hein. Si, peut-être non. Non, là-bas, c'est fermé. Donc, c'est en haut, je crois. Alors, vraiment, le roi de l'orientation. Je pense que ça arrivera plus tard la map, mais pour l'instant, effectivement, vous utilisez Perle Anuri. Ah, d'accord. Je pensais qu'il en fallait 3 parce qu'il y avait 3 trucs, mais on peut les utiliser pour des trucs alternatifs. Ce qui veut dire que du coup, maintenant, il va falloir... Holy shit. Il va falloir que j'en trouve une quatrième. Qu'est-ce que tu es, toi? What? Mais non. Ah bah c'est bien, c'est pratique. J'y suis presque. Absolument pas. Et voilà.
Absolument pas. Toujours pas, hein. Ah, une herbe d'oki. Alors, donc ça, ça les permute toutes. Ça, ça fait ceci et ça. Mais voilà. Bah non. Du coup, je peux pas, c'est pas du bon côté. Oui, je sais, oui, je suis revenu au truc de départ, ouais, j'avais bien capté. Ouais. On est en plein brute force. Hein. Est-ce qu'on est sûr qu'on a besoin de tous les étages ? Assurément, oui. Mais je sauve peut-être le dernier. Ah, j'ai cru. Voilà, on revient au début. Utiliser mon lance-pierre. Quoi, pour faire un rebond final ? Mais à quel dessin et quand ? Ah ! Ouais, cette fois-ci, on y croit. J'y crois à mort. Qu'est-ce que me dit le jeu ? Ah ! Que me dit le jeu ? Moi, je veux bien tenter un rebond magique, hein, mais... Vous m'avez l'air quand même d'une immense... Mais non ! Mais incroyable ! Franchement, si ça marche... Alors du coup, il faudrait que je fasse lequel une fois que je suis là-bas ? Que je touche lequel. Ouais, d'accord, il faudrait que je touche celui-ci sans toucher les autres. Ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air d'un projet, hein, cette affaire. Ah, presque. Merde, j'y étais presque. Je l'avais. La con de toi. Il suffit juste de toucher celui-ci et de sauter. Bon. Mais merde. La prochaine, c'est la bonne. Je suis dégueu. Est-ce que vous y croyez une seconde à ce que je suis en train de faire ? Est-ce que pour vous, c'est vraiment une idée de... Ah, ça marchait. C'était le bon angle. Ça marchait. Non ? Et effectivement, le niveau de zoom serait pas complètement idiot de l'utiliser. Non, le niveau de dézoom, je suis au niveau de dézoom max, en fait. Franchement, c'est sûrement pas la solution prévue, hein, mais j'aime l'idée. Ah, merde. J'aime l'audace de la chose. Merde. Non ? J'ai envie que ça marche. C'était quoi l'angle, le bon angle ? C'était ça. Incroyable. Je pense pas que c'était la solution, hein. Effectivement. Mais grâce au chat, et à une sorte d'envie de sortir de la boîte, nous réussissîmes. Absolument pas une conjugaison autorisée, mais... Incroyable. On va revoir ce mini-jeu de cuisine. J'aimerais bien comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc il faut faire... Ah, d'accord. Incroyable. T'es fou, ça fait. Ah, il les cuisine toutes d'un coup. C'est pratique.
Et en plus maintenant effectivement je suis full live, ce qui n'est jamais de trop. Donc nous nous cherchions quoi? On a combien de... On a deux perles à nuire pour le moment. Ah non, c'est pour... Voilà, c'est là, dans la porte d'après, voilà. Bah pareil, plus ça va, plus le jeu me plaît, effectivement, Yukito. J'ai la même approche pour l'instant. Je me suis fait enchaîner. Ça avait bien mérité. Bon, moi, je vais manger un bout, voilà. Et ensuite, on va repasser sur... Ah ! Poussez-vous, les nuls. Ouais, elles sont un peu plus balèzes, celles-ci. Merde. Oh, je vais crever. Oh, je vais crever comme une merde. Ouf. C'est un combat de Dark Souls, hein. J'en prends plein la margoulette depuis tout à l'heure, je comprends même plus ce qui se passe. Allez, venez. Je sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je mène ce combat alors que j'ai déjà trouvé le vase sélénite. J'ai rien à vous prouver, moi. Elles font hyper mal. Ouais, bah de toute façon le jeu en fait on meurt très vite, faut faire attention en fait. Bah écoute Brice, je sais pas encore s'il s'agit vraiment d'un Metroidvania. Pour l'instant on trouve des trésors et des clés qui ouvrent des portes et qui nous font aller vers l'avant. Je n'ai vu que peu de vrai backtracking. Je ne saurais dire. Alors, une perle à nuire, deux perles à nuire, et j'en ai plus, il faut que j'aille chercher la dernière. C'est vrai que je suis en 4 étoiles de difficulté sur 5. Ça ne s'oublie pas ces choses-là. Eh bien écoute, c'est un plaisir, Steer.fr. Je rappelle que le jeu est disponible sur Steam, mais également sur l'eShop. Attention, en revanche, il est a priori assez long, voire très long. Oh, comment ça rend vulgaire. Ouais. J'imagine que... Mais bien sûr, on n'a plus le temps pour le... Plus le temps pour le mode facile. Pierre de lune. Non, ne meurs pas. Aïe 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 aïe. Ah oui, d'accord. C'est vrai que tout ce qui est fait en termes de sound design et de musique, il y a un sacré boulot. Ça porte vraiment la marque des jeux faits par une seule personne, mais je voudrais pas m'avancer. Mais là, comme ça, en première impression, ça donne vraiment ce ressenti-là, quoi.
c'est pas pour glamouriser ou glorifier les jeux faits par une seule personne, hein. C'est juste que généralement ça se ressent dans le truc final, dans la cohérence globale, surtout sur des jeux de ce type là, j'ai l'impression. Bon, en tout cas il y a une quête d'un côté atypique. Wow. Et voilà. Ah. Bah voilà autre chose. Un véritable mode horde. Ah vache. Non. Connerie. Ah, là je me suis fait stunlock là. Ah oui. Ah ça c'était désagréable ça. Là je dois dire que le petit stun, le moment où on réapparaît, où en fait on ne peut pas... Attends, c'est carrément ma... Quoi? Ah. Pendant un temps ma manette ne fonctionnait plus. C'est donc la faute à la manette. Si vous éprouvez des difficultés, rendez-vous dans les options d'accessibilité. Non, c'est pas du tout. C'était la faute à la manette, t'inquiète. Depuis quand j'ai pas sauvegardé? Merde. Bien sûr. On va peut-être arrêter de faire le zazou. Hein. Non, c'est bon. Si, quand même, j'ai perdu du... Ouais, j'ai perdu un peu de temps, là. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? On a fait ça ou du coup pas? Je me souviens plus. C'était avant la percée vers le reste. Du coup, j'imagine que c'est là que ça se passe. Voilà. Je sais pas si je vais devoir la refaire. Mais là, c'est bon, j'ai l'angle dans les pattes. Je le... Putain. Alors, pas cet angle-là, évidemment. Bon, merde, à la fin. Hein. Au revoir. Ah, chiant. Ah, merde. Oh, elle est lourde. Ah non, mais ça c'était complètement... Attendez une seconde. Waouh. Et oui, bien sûr. Allez. Avec la petite allonge de l'héroïne, est-ce que les combats sont pas un peu durs à appréhender? T'as l'air de galérer. C'est peut-être juste moi qui galère. Non, mais oui, il y a un petit côté, effectivement, il faut... On s'y reprend parfois, plusieurs fois, ce qui est effectivement dans l'ADN du jeu, mais c'est pas la seule arme, hein, parce qu'après, il y aura des trucs... Ouah, bien sûr, on n'a qu'à crever ici. Après, il y a des trucs beaucoup plus développés en termes d'armes disponibles. Le problème, c'est que je me souviens plus où était la dernière perle en question. Et ça fait chier. Celui-ci, on l'a déjà fait, n'est-ce pas? Hein? Non, je crois pas. Vraiment? Ouais, si vous cherchez la solution, j'ai trouvé la seconde fois. Ça a été beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Incroyable. Putain, mais c'est pas le même endroit, ça et ça? C'est fou quand même. J'ai cru pourtant, hein. Mais non, a priori, c'est vraiment pas la même zone. Ah oui, non, bah oui. Comment t'oublier? Connerie.
Allez, on fait un peu attention à soi là quand même, ça serait bien, ça nous changerait. Vraiment? Si. Juste, j'en peux plus de moi, quoi. Mais stop, que ça s'arrête, quoi. Que la souffrance s'arrête. C'est vrai que ça a une petite animation quand tu prends ta propre bille dans la tête, c'est vrai que ce serait chouette. Ça me manque, parce que c'est vrai qu'on s'y préparerait presque vu le côté espiègle du jeu. Très bien. Cette fois... Ah oui, donc, ok. Allez, vas-y. On va gérer le truc à l'avance parce que sinon ils vont arriver et je vais me retrouver avec un script avec 800 et ça va être relou pour tout le monde. Allez. Celle qu'il nous manquait, n'est-ce pas? Et stop. Et voilà, le home run. Oh, quelle horreur. Les limaces en métal, pour l'instant, mon arme tape dessus et ne fait rien. Peut-être qu'une attaque chargée. Toujours pas. Donc pour l'instant, non. Ça les arrête peut-être effectivement, Red Samano, mais c'est bien tout ce que ça fait. Niquez-vous! À la fin! Ah! Et là, ça nous emmène où tout ça? Qu'est-ce que c'est que ces endroits? Est-ce que ce sont des endroits avec des trésors? Est-ce que je suis une horrible machine à être gritty et idiot? Salut les gars! Coucou LS, bonjour! Bonjour aux... Aux ALSOS, et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on faisait sur la chaîne d'ALS? C'était après 3D World. Ah bah écoute, je passe sur 3D World après moi. Je ne connais pas le jeu. Ma très grande faute. Du coup, ça va être le moment de rattraper le retard. Le jeu de base, même. Oui, à l'aise de GK, tout à fait, Aiden. Alors... Ah, il y a un truc. Allez. Mais oui. Bah, j'ai pas testé Bowser Fury encore, et je dois dire que je suis un peu... Je sais pas du coup quoi faire, parce que vu que j'ai jamais fait le jeu de base, est-ce qu'il vaut mieux faire l'un après l'autre? C'est la question que je me pose et je sais qu'en grand expert tu sauras me répondre. Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caverne? Ah oui, non d'accord, c'est pour refaire le tour, on y était là tout à l'heure, on voit exactement de quoi il s'agit. Piège. Artouf, est-ce que le gameplay ressemble à Spelunky ou pas du tout? Non, je l'associerai pas à ça. C'est plutôt
du Monster World et du Zelda et un peu de Cave Story peut-être aussi pour l'apparence. Mais non, le premier jeu qui me viendrait n'est pas Spelunky. Après, je dois dire que je suis peut-être pas le plus grand référenceur de Spelunky. J'ai un historique très limité avec le jeu. Ah, donc 3D World et Bowser's Fury sont vraiment indépendants l'un de l'autre. Très bien. Et bien voilà une sauvegarde qui est bien faite. Ouh, ça sent le combat de boss cette affaire. Ça pue et. Évidemment. Ah d'accord, pas de contact, pas de dommage au contact. Trop mignon. Ouah, bâtard. D'accord. Oh, comme je me fais bouler. La musique est vraiment très bien. Ouf. D'accord, donc ça, il va falloir que j'apprenne doucement à jouer bien. Hein. Pas mal l'idée de... d'un bruit de... Ah, comment on va... Aïe. Comment on évite son attaque là qui traverse l'écran surtout. Oh. J'avoue que c'est violent. Allez, c'est parti. Ouais, faut vraiment pas négliger les petits... Ok, d'accord, ça va. Ok, d'accord, je l'ai. Eh oui, là je le prends en plein dans la margoulette, c'est normal, c'est de ma faute. Ah bon ? J'ai pas vu venir. Oh là là, c'était de ma faute, ça aussi. Ça m'aura tout consommé. Allez, dehors les blobs. Alors, bon, le patin était en fait, il y avait vraiment juste un endroit où il fallait faire très attention, c'était cette espèce de coup de tentacule. Vous découvrez une mystérieuse tête de golem. C'est sûrement ça, l'étoile filante que recherchait Alex. D'où cela peut-il bien venir? Je ferais mieux de ramener ça à Alex. C'est très doux tout ça, quand même. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça a ouvert? Non, c'était pas vachement dur. C'est juste que c'est pas des patterns ultra lisibles faits par quelqu'un qui est habitué à faire des combats de boss. Ça a un peu cette espèce de côté un peu. Il faut observer des trucs inattendus. Mais sinon, le pattern était tout à fait ok. C'était pas un truc très difficile. Alors j'ai ouvert quelque chose quelque part, mais je ne sais pas où. Très mignon cette petite. Ah d'accord, il faudra revenir. Là de toute façon on a ce qui nous intéresse. Et du coup, il faudra revenir quand on aura réussi à obtenir une dernière perle qui doit être cachée quelque part dans le donjon. Donjon. Pour ouvrir les autres. Donc il y a une tête à nourrir ici. Une tête là-haut, mais elle est fermée, je comprends pas pourquoi. Ah, et celle-ci elle est cachée là-bas, ok. Donc ça c'est une zone secondaire en fait. On pourra y revenir si le cœur nous en dit. Ce thème te rappelle beaucoup trop un autre jeu. On aurait dit du Satie, quoi. Je sais pas si c'est du Eric Satie, je sais pas si c'est ce qui t'a peut-être essayé de t'emporter, ça t'a peut-être emporté vers ça. Donc il y a encore... Je peux pas les récupérer, non? Non. Salut Guichman. Et merci encore pour ta playlist de FF14, ma foi, qui va nous servir pour la matinale. Et voilà, pas trop mal pour des gamins. Maintenant que nous avons fini le pont, on peut enfin rentrer à la maison. T'as oublié pourquoi on était venu? Gale est de retour. Et oui. Ça sent vraiment la quête de début de jeu qui déclenche une catastrophe. Ce vaisseau spatial, c'était un vaisseau spatial. Cette lumière, c'était Faisceau qui l'avait dit, oui, j'ai l'impression. Cette lumière est apparue juste au-dessus du village. Dépêchons-nous de rentrer, tout le monde a été kidnappé. Un faisceau spatial? Peut-être que c'est un jeu allemand, on sait pas. L'occasion d'y revenir à ça. On est déjà passé par là en fait. Yes. Oh, le changement d'ambiance là. Et alors pour information, parce que ça me semble toujours bien de le dire, vous avez des options d'accessibilité ici. Donc vous pouvez désactiver le screen shake, vous pouvez retirer les oscillations des bulles de dialogue, les poissons supplémentaires n'inversent pas les commandes. Ah, les poissons sup, c'est pas supplémentaire. Le curseur se déplace moins vite lors de la cuisson. Donc voilà, tout a été pensé. Donc là, c'est ce que moi j'ai activé en fait en mettant le 4 sur 5 de difficulté. Mais sinon, vous avez d'autres trucs comme ça qui peuvent vous rendre, ma foi, l'expérience plus accessible pour tout le monde. C'est bien fait. C'est fait avec du cœur et ça se sent. J'ai un peu peur de ce qui se passe au village. Je sais pas si on était censé faire tout ce trajet ou pas. Peut-être que ça fait partie un peu de la mise en scène.
Allez, on sort de la forêt d'Oki. Gale, je suis désolé de m'être enfui tout à l'heure. Alex nous a dit de t'attendre. Il est parti avec les autres pour inspecter le village. On devrait se dépêcher nous aussi. Allons-y! C'est donc ça, le développeur a mis ses options suite aux reviews. Le jeu est sorti en Switch, sur Switch en août. Ah d'accord, donc ensuite en l'amenant sur PC, il en a profité pour faire une deuxième version avec ses options. D'accord Mathieu Dubourg-Palette, parce que tu connais le jeu déjà, c'est ça? Il fait tout noir, ça fait peur. On devrait se séparer pour couvrir plus de terrain. Bonne idée. Il n'y a vraiment plus personne? C'est un cauchemar, n'est-ce pas, Gale? Un cauchemar? Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus personne ici, même les Pookies ont disparu. C'est tellement cool! Les enfants. Pauvre Félix, je ne crois pas qu'il mesure pleinement la gravité de la situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ça ici, j'imagine que c'est pas la peine. Nous, ce qu'on cherche, c'est Mémé. J'ai trouvé la spatule de Kit, ils ne s'en séparaient jamais. Alors, il n'y a plus de doute possible, ils ont tous été capturés. Cool. Pas cool du tout. Mais c'est pas pour ça qu'on doit oublier de détruire toutes les caisses possibles et imaginables. Est-ce que j'ai raison de croire? Mais oui! Oh merde. Non, il faut pas perdre l'honneur dans ces cas-là. Y a pas un truc que je pourrais ramasser là? Non? Me faire un genre de petit. Oh, quelle tristesse. Ah bah, s'il n'y a pas la version française sur, sur Switch, Random Pseudolo? Ah, d'accord, donc la VF est donc, j'imagine, elle est un peu bêta testée sur PC actuellement et ensuite il la mettra sur Switch. D'accord. Merci pour les infos que vous êtes en train de vous transmettre sur le chat. C'est adorable comme à l'accoutumée. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je trouve pour accélérer ou activer le reste ? Non merde, quel con, c'est par là. Ah, il y a une roulade. Mais non. Il y avait une roulade depuis le début. C'est un peu tard. Renifle, sanglote. Calme-toi, Ella. Tout ira bien. Tout le monde va revenir, je crois. J'ai mes doutes. J'en ai fait genre 5 ou 6 sur le boss des roulades, bah je les ai même pas vues, voyez-vous. Ou alors j'ai cru qu'elles étaient accidentelles, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Me demandez pas, c'est pas moi qui joue. Hein. Moi je suis... je vous montre des vidéos hein, sur Twitch. J'ai pas le temps. Ah cool, d'accord. Donc là en fait c'est une zone qui permet de s'entraîner et de voir les dommages que font tel ou tel type d'armes sur les ennemis normaux. Ou sur les ennemis renforcés. Tous ceux qui étaient présents dans le village au moment où ces rayons ont frappé ont disparu. Je crois que nous avons eu de la chance d'être dans la forêt, à moins que ce ne soient nous les plus infortunés. Il n'y a plus personne ici, toute ma famille a disparu. C'est vrai, un vaisseau spatial les a vraiment enlevés.
Comment on fait pour avancer cette partie du jeu? Nous, ce qu'on aime, c'est l'aventure. Pas les larmoiements d'hiver. C'est difficile à croire, mais on dirait vraiment que tout le monde a disparu. Il est clair qu'ils ont été enlevés par ce vaisseau. Je n'ose imaginer au nom de quel noir dessein. Je ne voudrais pas paraître insensible, mais il est temps de regarder la réalité en face. Nous sommes les aînés désormais, et tout le monde compte sur nous. Nous devrions rassembler tout le monde. Sinon, les enfants vont rester dehors toute la nuit. Allons-y. C'est bon, tout le monde est là. Ils sont tous terrifiés. Les enfants auront besoin de nous comme modèle de bravoure, alors faisons en sorte que le courage se lise sur nos visages. Comment les rassurer? Il y a Pop qui est en train de chanter un petit récital en Belzébuth mineur là dans le couloir, je peux vous dire. Pop, c'est mon chat, hein, pour rappel. Dire qu'ils sont partis camper. Dire la vérité. La vérité est dure à accepter, mais elle finit toujours par éclater. Et ils nous en voudraient de leur avoir menti s'ils venaient à le découvrir, c'est sûr. Tu sais, tu fais preuve de beaucoup de maturité pour ton âge. Donc est-ce que le reste du jeu, ça va être de reconstruire le village et d'en faire un village d'enfants, d'où l'espèce de partie un peu crafting dont parle la fiche du jeu? Il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ça, alors je vais juste vous le dire. Tous les habitants du village ont été enlevés. Nous ne savons pas où ils ont été emmenés, ni même pourquoi. Il est toujours plus facile d'imaginer le pire. Rassemblons nos esprits et rappelons-nous à quel point ils sont dégourdis. Après tout, Cadel, le plus grand maître d'arts martiaux, est avec eux. Et Rutea est la scientifique la plus chevronnée que je connaisse. Et qui te sait cuisiner? Ouais. Il a raison, c'est pour nous que ça craint. On est foutus! Salaud de patron! Non, c'était pas dans le jeu, ça. Au secours! Ah, c'est la panique, là. Ah, il va falloir faire un petit speech. Un discours! C'est pas hyper bien passé, hein. Eh ben, c'était crevant. Maintenant que tout le monde s'est un peu calmé, on peut se concentrer sur la suite des événements. J'ai déjà quelques idées d'où nous pourrions nous rendre pour commencer nos recherches. Tout ça a forcément quelque chose à voir avec ce rocher stellaire qui est tombé aujourd'hui. As-tu réussi à le récupérer? Yes. Alors ce n'est pas un rocher stellaire, mais un golem. Encore mieux, on va pouvoir en extraire des informations. Ce n'est pas une coïncidence si ce truc est tombé là juste quand ce vaisseau est apparu. Il doit y avoir un lien entre les deux. Dommage que ce golem soit cassé. Oh, je vais devoir faire le robot. J'ai pas de Go XLR. Oh, j'ai eu peur. Si seulement Rutea était là, elle pourrait le réparer. Il pourrait alors nous donner des réponses. Aïe! Eh, c'est pas une mauvaise idée. Même sans Rutea, il y a plein de scientifiques compétents dans les grandes villes. La ville d'Atai se trouve à l'ouest d'ici. C'est un point de départ comme un autre pour nos recherches. Alors c'est décidé, partons en quête de pistes à Atai. Et pendant que vous êtes parti, je garderai le village. Je ferai le maximum pour que les villageois le retrouvent en parfait état. J'aime bien parce qu'ils disent toujours les villageois et ils disent jamais nos parents. Parce que ça changerait un peu le ton du jeu. Du coup, voilà, c'était le cuisinier, mémé éventuellement, mais ce sont les villageois. Bon, sincèrement, tu crois qu'on a fait ça pour quelque chose, je veux dire, ce vaisseau? On est rien que des fourmis face à un truc pareil. Il faut essayer. Oui, aussi faibles que soient nos chances, nous devons au moins essayer. Vous entendez le chat ou pas? Il est trop fort. C'est vraiment le plus fort. Ce que tu dis là me redonne de l'espoir. Merci, Gaël. Si on persévère, il nous y arrivera certainement de bonnes choses. C'est ce que Mémé nous dirait. Ah, séquence émotion. La nuit a été longue. Allons nous reposer. Demain est un autre jour. Ben, je comprends du coup que le jeu puisse être particulièrement long si en plus de tout ça, il y a toute une narration qui prend son temps comme ça. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. Très très jolie la musique, hein, vraiment. On dirait du Ivy et Sourachou un petit peu. Oh.
non, c'est pas là. Je sais plus où était ma piole. J'ai oublié. Sûrement ici. Ah non. Bah alors. Je comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. J'ai dû me tromper quelque part. Probablement ici, en fait. Eh oui, bien sûr. Dodo, un lit suffisamment confortable pour s'y assoupir. Se reposer? Eh oui! C'est vraiment une des animations de réveil les plus cool que j'ai jamais vues, je crois. Avec le petit doing. À l'aventure! Ah, je m'ai cogné. Oui, la BO est entièrement sur Bandcamp et Spotify, tout à fait. Vous savez ce que ça veut dire? Allez hop! Alors, est-ce que c'est à taille ici? Route des tournesols. Franway Pancello. C'est vraiment très joli. Oh, trop bien! Vas-y, je l'ai mangé. Je l'ai mangé direct. Fausse manip. Défonce la BO, franchement. Donc ça c'est le village de Pancello, très bien. Laissez-moi tranquille. Je vais vers la route du tournesol. Mais ça met une patate ce jeu. Ah, je t'ai vu. Oh. Et voilà. Et toc. Allez, va-t'en. Marou. Est-ce que je peux... Non. Yo. Mais c'est Dark Souls. Ah, je suis peut-être pas obligé de faire toute la traversée comme ça. Hein. Ah. J'ai l'impression que je rate beaucoup de choses. Ah merde. Eh oui, bien sûr. J'ai énervé du monde. Je gêne, je vois bien que je gêne. Non mais ça va. Non mais je plais... Oh. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on s'attaque aux abeilles.
Mais enfin, Vanya Hurt, il faut pas s'excuser. J'espère que tu vas bien. On est en train de jouer à Phenotopia. Ah, on peut utiliser la course sur la carte également. Bon. On va essayer de... Voilà, on va vous carotter le miel, mais sans se battre avec vous. Non, mais je vois bien que vous êtes énervé. Alors, selon vous, ce serait pas des araignées, mais des tiques. Alors déjà, je savais pas qu'on avait des entomologues sur le chat. À noter, c'est toujours mieux que des épidémiologues, n'est-ce pas? Surtout si vous officiez en amateur. Oh, bordel, à chaque fois. Voilà, le but ce serait... Ah bah merde, et bah voilà, bah bien sûr. Elles sont fâchées. Non mais je voulais juste du... Allez, salut. Comment ça, il y a des enfants abeilles? Salut et bienvenue au laboratoire et hôtel de la Belle Abeille. Je vous en prie, entrez. Non mais c'est des araignées, il y avait de la toile. C'est juste moi où il faut être un peu spécial pour vouloir vivre au milieu des abeilles géantes. Dès que je suis assez grande, je me barre. Le laboratoire est à taille humaine, check. Ah, boire du thé au lait, contempler les abeilles géantes, les petites choses de la vie. C'est vraiment très 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 charmant comme jeu. Ah, attention! Mais oui. Bah, on n'est pas rentré dans l'hôtel. C'est quand même la base. Super, une voyageuse. Fais comme chez toi. Qui êtes-vous? Je suis Hachi, le chef de labo pour tout ce qui concerne les recherches menées au sujet de ces fantastiques spécimens. Attends, raconte que je suis le seul. On ne peut pas dire que ma branche soit rongée par la compétition. Je vois pas pourquoi. Ne sont-elles pas mignonnes? C'est vrai qu'elles sont mignonnes. Je peux faire tomber certains objets que le lance-pierre, oui. Bienvenue au labo et hôtel de la Belle Abeille. Voulez-vous faire un petit somme? Se reposer pour 10? Allez, vraiment pour le plaisir. Tout à fait charmant. Que j'ai juste fait ça pour l'animation? C'est possible. C'est possible que oui. Alors, attends, ça c'était la piole? Oui, ça c'était la piole. Et ça c'est quoi? Une autre piole, on imagine. Oh, le chat! Désolé, c'était pas ce que vous... C'est... Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Je voulais faire une gratouille au chat. Je voulais pas le gratter avec la batte de baseball, hein, qu'on soit très clair. Ce sont des larmes de tournesol, de vrais bonbons naturels, les enfants en sont dingues. Achetez un lot de 3 larmes de tournesol, vas-y, pour les enfants. Et ça c'est quoi d'autre? C'est de l'hydromiel, une boisson qui pétille et qui ravigote. J'achète tout. Et ça c'est quoi? Un roulet au miel, j'en mange un chaque jour, c'est le secret de ma forme olympique. J'en achète un également. Je ne sais absolument pas me tenir. Allez dehors. Oh! Mais quel con! Deux fois! Impossible de ramasser perles de miel, mais comment ça?
Vous êtes des fascistes. Oh. J'ai envie de savoir ce qui se passe tout là-haut. Si je découvre que tout là-haut, en fait, c'est juste un truc de miel, je vais avoir un seum de compète, mais... Là, du coup, j'avoue que je suis... Eh ben, c'était juste ça, bravo Gotoz. Vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce miel? Une goutte de rosée qui s'est imprégnée du sucre naturel d'une fleur géante sur la route des tournesols. Sa haute viscosité permet de la ramasser de la main, de son surnom usuel, bonbon de tournesol. Ah non, c'est pas ça. Goutte de miel, une petite confiserie obtenue en condensant l'essence sucrée des larmes de tournesol. Elles sont idéales pour vous donner un petit coup de peps dans les moments difficiles. Très bien. Donc, voilà. Et comment ça? Ah non, j'ai utilisé la mauvaise. Très bien. Et donc, ça ravigote également. Oui, c'est vrai que les feuilles font très fantasia. Bon, on saura que si jamais on a besoin de se ravigoter un moment... Oulala, mais c'est l'enfer ici, monsieur, l'enfer. D'accord, on va essayer d'y aller. Je suis trop greedy. Moi aussi, je veux mon bonus. Mais bien sûr. Mais tout à fait. Mais évidemment. Oh, t'es trop bien essayé. Du flouze. Alors, le pont de Castella Sud. Où la grotte mystérieuse pour laquelle on n'a pas de lampe. Évidemment, c'est ici qu'on va aller. Et non! Puisque, pour rappel, notre héroïne ne sait pas nager. Salut, nous sommes les Naufragés, un groupe de musiciens itinérants. Ah, c'est comme les Innocents. Ah, c'est vraiment ça le nom qu'on valide. J'aime bien les baladins en balade. On se dirige vers la ville pour se faire de la caillasse. Je suis Harmony, et à ma gauche, il y a Forte, Alto et Cobette. C'est dommage que le pont soit cassé. Je crois qu'on a vécu une belle aventure, mais là, il va falloir qu'on split. Ce fut un plaisir de vous connaître. C'est un peu nouvelle, mais ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes par ici. On garde le cap et on reste positif. C'est quoi une aventure sans un minimum de difficultés? Un jour, nous chanterons notre propre histoire et ce sont toutes ces peines qui feront briller les yeux du public. La seule chose à faire, c'est de rester ensemble. D'accord. Bon, comment on s'y prend pour traverser ce pont? Un pied qui glisse et tout notre matos part à la baille. Nous ne pouvons pas nous le permettre. La musique nous montrera la voie. C'est ce qui nous a guidés jusqu'ici. Vous pensez à ce que je pense? On split. C'est parti. C'est plutôt assez bien fait, hein, honnêtement. Les personnages sont très attachants, il y a des bons designs, il y a un humour qui est plutôt rigolo. L'humour rigolo, moi j'adore ça. Ah, l'humour rigolo, les blagues drôles. Non, franchement, il y a un truc. Hein. Ah, c'est l'inventaire qui est plein. Jette-moi cette merde. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, 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 hop. Ce jeu a des origines sur Newgrounds, format Flash dès 2014, avant d'être entièrement refabriqué et de sortir trois fois plus grand, remis en musique, etc. etc. Merci beaucoup, fini de rire. Salut Red Samano, bonne soirée. Non. Comment on peut passer ici?
Non. Dommage. J'y ai cru. Ah, attendez. Bien sûr. Non? Ça, c'est chiant, ça. Je me suis coincé tout seul. Mais c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais merde! Quel con! Motos! Quel con! Bon. Tant pis. On dirait que c'est pas pour le moment. Hop, quand même, ça semblait être ouvrable. Des trésors, toujours des trésors. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est fermé. On va continuer vers la gauche. Et on va pas tarder à arrêter de toute façon cette petite découverte, puisque je m'étais dit que voilà, on ferait une vidéo d'1h30 de découverte. Pour l'instant, je suis dans les clous. On dépasse un tout petit peu, mais c'est pour le plaisir. Ah non ! C'est vrai que ça a l'air bourré de petits secrets en fait. Par exemple, qu'est-ce que je... Comment aller jusque là-bas? Il faut tout refaire. Mais non! Et quel abruti! Ah! Il y a un truc là-bas, mais je peux pas y accéder pour le moment. Comment on entre là-dedans? La ville d'Atai, qui était notre prochain objectif. Ma foi, j'imagine que c'est un bon endroit où arrêter cette découverte de Phenotopia, Phenotopia Awakening, donc jeu qui s'est a priori lancé d'abord sur Twitch en août 2020, sur Switch en août 2020, avant d'arriver sur PC. La version PC a amené la version française, et la version française va arriver sur la version Switch. Dans les deux cas, le jeu coûte, il me semble, entre 15 et 20 euros, et donc effectivement, c'est un petit peu Zelda 2, un petit peu Monster World, un petit peu Cave Story. C'est bourré de charme, c'est bourré d'ambiance. C'est bien écrit. La VF en plus, nous on a découvert là sur PC, est vraiment drôle. Bon, le seul truc à savoir manifestement, c'est que le jeu est particulièrement long, au-delà de 30 heures, et que c'est ça qui risque effectivement d'être un frein pour une partie du public, même si on imagine que c'est quand même une grande partie, voilà, aussi rallongée par le côté un peu narratif que peut avoir le jeu. Mais très feel good, un peu sous le radar pour son arrivée sur PC en ce début d'année. Donc bien content d'avoir pu faire la découverte, et je ne sais pas... Alors oui, effectivement, la longueur, ça peut être aussi un point fort pour certains, mais ça dépend vraiment de ce que vous attendez du jeu. Mais très content d'avoir pu vous le présenter. Et puis, bah, de toute façon, des VOD, je l'espère, au moins aussi curieuses que celle-ci. On en aura d'autres dans les temps à venir, sur d'autres vidéos à poster sur la chaîne dans les temps prochains. À plus.